Et alors, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda Breath of the Wild sur une montagne. On se retrouve très loin dans Hyrule, tout au sud-est. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? On va simplement aller ici, sur l'île de la Muerte, le plateau de Cocolite, la plage Coco. On va y aller. Donc je me suis arrêté, je me suis téléporté juste ici en fait pour pouvoir continuer. Et entre les épisodes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement noté tous les Kurogo qui me restaient à récupérer. Le seul problème, c'est que, je vais vous en parler maintenant, lorsque j'ai commencé, alors vous devez savoir avant, qu'on peut placer 100 marqueurs. Quand j'ai commencé à mettre les Kurogo, j'étais à 93 marqueurs. Et là, il m'en restait 4. Du coup, si on fait 93 moins 4, ça donne 89. Le problème, c'est qu'il me reste 90 Kurogo à avoir. Donc soit j'ai oublié un Kurogu simplement là-dedans. Et du coup c'est pas très grave parce que sur ma carte que vous avez vu au dernier épisode, je vais voir le dernier qui me reste, que normalement j'aurais pas coché. Alors là, du coup ça va être correct. Mais le problème c'est que s'il m'en manque un, je sais pas où est-ce qu'il est. Parce que j'ai fouillé partout. J'ai juste refait vu la carte et j'ai pas trouvé plus de Kurogu. Du coup bon, s'il m'en manque un, c'est pas très grave, je vais le laisser comme ça. J'aurais juste pas le 100%. C'est hors de question que je revoie chaque Kurogu un par un pour voir si je l'avais bel et bien pris. La colère d'Urbosa est à ta disposition. Merci Urbosa. Du coup, ouais. Direction l'île de la Muerte, n'est-ce pas? Qui est juste ici, on la voit. Par contre, c'est un petit peu trop loin pour pouvoir m'y rendre. Je me comptais plutôt à trouver un petit bateau quelque part. Un petit bateau. Moi, je pensais qu'il y en avait un peut-être qui partait d'ici. Apparemment non, donc je sais pas trop d'où partir en fait, peut-être plus de là. Ça me semble plutôt logique, mais je pense que j'avais une feuille d'ailleurs. Non, j'ai plus la feuille malheureusement. RIP, donc je sais pas vraiment d'où partir. Parce que... Oh, je pense qu'on va se rendre ici en fait, on a assez d'endurance, on est correct. Je pensais que ça allait être trop loin, mais finalement, on devrait être correct. Donc tout ça en fait c'est pour un sanctuaire, il y a un sanctuaire sur cette île. Et il va falloir aller le récupérer. D'après moi, ça ne sera pas aussi facile qu'on ne le pense. Et d'ailleurs, je vais vous enlever le son que vous devez présentement entendre en double. C'est moi ça, en fait. Parce que je l'avais expliqué un petit peu dans le dernier épisode. Je vais vous expliquer ça quand on sera sur l'île. L'île Finalis. Merde. Toi qui foules le sol de cette île, je vais te mettre à l'épreuve. J'espère qu'ils vont me téléporter par contre. Tu te reposes sur 1000 outils lorsque tu es confronté au danger. Tu en es venu à les confondre avec la je sais pas quoi. Abandonne armée, protection et soumets-toi à cette épreuve comme si elle était la première. Pas ici. Je suis juste à côté des ennemis. Place un orbe sur chacun des trois hôtels qui se trouvent sur cette île. Ainsi, tu auras triomphé de l'épreuve et tes outils te seront rendus. Oh merde. Ouch. Ouch. J'ai mes pouvoirs de prodige au moins. C'est toujours ça. Ouch. Et dans l'eau. Ouch. Va-t'en. Ok. Reste un cœur. Mais par contre, j'ai la prière de Mipha qui devrait me sauver. On est pas trop mal finalement. J'aimerais quand même garder la prière de Mipha, mais.
Si j'ai pas le choix, on devrait être correct. Du coup, on a trois hôtels où est-ce qu'on a des boules à les poser dessus. On a déjà un là-bas. On a juste trouvé en fait ces boules et ces hôtels. Là, il y a un pieu juste là. On va aller le prendre. Pour pouvoir. Je sais pas. Je pourrais attendre. On est déjà le matin, on est correct. D'ailleurs, j'ai vérifié, il n'y a aucun. Il n'y a absolument rien ici. Il n'y a aucun korogu. Du coup, on est vraiment à plat ici. C'est vraiment l'île de départ. Il m'a vu. Merde. C'est bon. Décède. Décède. J'ai pas de cours. Oh. Toi, tu vas. Non. Je te ris. Je te ris. Oh! J'ai perdu mon arme sur lui. Ripé. Alors, ça me dit repartez de zéro, mais en fait. Waouh! Oh! Je commence à le viser en fait. Et voilà. Ces trucs me servent pas à grand chose. C'est quoi un bon petit bouclier si ça fait du bien. Parce que ça, c'est pas trop. J'aimerais avoir moins qu'un cœur, ce serait quand même bien. Ça veut dire. Parfait. Pas trop mal. J'ai pas d'arc encore. On va s'enfoncer un petit peu dans la forêt. Boum. Je sais pas si on garde les objets après, je pense pas. Montre-toi. Il est mort dans l'arbre. Tristesse. Tu peux utiliser mon bouclier quand Alors, tu veux. il y a une hache ici. Et un coffre. Les deux m'intéressent. Techniquement, je pourrais faire summon mes amis bouts ici, avoir des armes pétées. On va respecter le jeu. Quand même. On n'est pas trop tricheur. Hop. Nickel. Je pourrais faire summon des boucliers de soldats. Ouch. Des boucliers de soldats 40 de protection et tout ça. Ce serait assez pété. Oh. Oh là. Alors, comment je peux les approcher? Je pourrais tous les défoncer d'un coup. Hein. On s'entend. Dégage. Ok, on va y aller. Sinon, on en a pour 36 ans. On va prendre ça. Au moins, on va avoir des arcs. Hop, il y a une boule ici. Cool. Nice. C'est un peu cheaté, on s'entend. D'aller dessus comme ça. Il en reste un. Il est où? C'est lui que j'ai fait tomber, je sais, mais je sais pas où.
Il est remonté? Bon. Tant pis pour lui. Du coup, je sais pas trop où aller emmener cette boule là. Pas trop où est-ce qu'elle est supposée aller. On va suivre le chemin. Oh, allô? On va aller la poser où est-ce que je l'avais vue au départ. Juste au cas où. Je vais pas prendre de chance. Parce que lui me fait peur, hein. Je vais devoir utiliser tout ce que j'ai. Nous voilà sur la plage de sable fin. On est bien. Alors comment je peux envoyer cette boule? Ah. Je pensais que ça allait être pas aussi profond. Déjà elle flotte. Ça je m'y attendais quand même. Ça aurait été un peu trop dur. Elle est tombée dans l'eau. Yep. Et yep. Wow. Calmons-nous. Allez. Et d'une. Plus que deux. Il y a un petit coffre ici. On va quand même le récupérer. Nice. C'est le genre de truc qui coule au début de l'aventure. Genre maintenant. En parlant de début de l'aventure. Des bananes! On va se débarrasser tout de suite de l'inox. Je pense que c'est vraiment le danger de cet endroit. Je pense qu'on va essayer. Il a l'air d'avoir beaucoup de vie. J'ai pas de meilleure arme. C'est la meilleure que j'ai en fait. On s'entend là-dessus. Moi, on n'est pas en mode hardcore, sa vie régène pas. Pac, 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 pac. On va faire deux. Bien sur les deux. Oh. Il m'a tué. C'est bon. C'est pas trop mal, hein. Finalement. Finalement, avec Urbosa, ça va plutôt bien. Par contre, où est-ce qu'il va, lui? Là où? Moi, j'irai là-haut.
peux aller voir là-haut. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, un petit chemin là. Ah, d'accord. Okay. Je vais grimper pour voir. Pas monter pour rien. Génial. Va-t'en et va-t'en. Bah, du coup, on est d'accord que c'est bien ici qu'il faut poser la boule. Dégage. Dégagez. Ouais, du coup, c'est bien là qu'il faut aller déposer le petit truc. Je pense que ces roches-là étaient là exprès pour tomber sur l'inox. Mais je pense que c'était plus efficace quand même de utiliser le robot ça dès le début. N'est-ce pas? Ah, ma bombe est là. Hop. Au moins, ça aura utilisé Mifa. Je tiens à préciser d'ailleurs que dès le prochain épisode. Oh. Ah oui, d'ailleurs, j'avais dit qu'aujourd'hui ça allait être un épisode sûrement de. De oui, oui, bien sûr. Laissez faire ce que je viens de dire, je me suis trompé. Aujourd'hui, en fait, c'est. Dès le prochain épisode, c'est ce que je voulais dire. On va commencer l'Aude au prodige, du coup, le DLC. Et le normalement le DLC 1 sera terminé. Parce que la quête principale, hein, la quête des. La quête extrême là. Les épreuves extrêmes sont terminées. Ah d'accord. Donc il va simplement nous rester les petites quêtes. Ça je les ferai de mon côté. Hein, c'est des petites quêtes. Genre récupérer un masque. Truc genre. Ça c'est les quêtes que je vais faire de mon côté. Sinon ça va être trop long, je pense. Comme j'avais dit, je voulais simplement me concentrer sur le principal. Il commence à faire. Ça me fait peur un peu pour mes armes. L'orage. On va utiliser les moyens forts ici. Ok. La plateforme est là. Où est la sphère? Oh. Faut absolument pas qu'il me voit. Ok, nice. On va quand même prendre un meilleur arc pour les prochaines fois. Je veux pas prendre de chance. Un meilleur arc, j'ai dit. Parfait. Lol. Ça lui est tombé dessus. Lol. Oui. Peux-tu te poser, s'il te plaît? Je sais pas si je suis subtil comme ça en fait. Oh vite. Il va se faire électrocuter. Est-ce qu'il va lancer son épée? Wow. Non. Apparemment non. Ça tombe bien qu'il y ait de l'orage. Oh, attends. Et du coup j'ai son épée. Plutôt pas mal. Alors la sphère elle est juste là. Ils vont se faire électrocuter. Venez. Voilà. Nickel. C'était pas trop compliqué finalement cet endroit. On aura fait ça en une vingtaine de minutes. C'est pas trop mal.
sais pas si c'est nécessaire ce que je fais, parce qu'on a fini pas mal. On a les trois. Mais c'est pas grave. Mon bouclier compte? Non, mon bouclier est pas en métal. Bizarre. On va enlever ça. Hein. Prenez autre chose. Boum. Allez, ciao. Tout ce qu'il m'aurait fallu, c'est que ça me tombe sur la tête et que je meurs. Ça aurait été le summum. Et c'est parti. Et voilà. L'antépénultième sanctuaire. Tu as triomphé de l'épreuve. Comme promis, tes outils vont être restitués. Je pensais qu'ils allaient dire rendus, mais... Waouh. Bien. Entre dans le sanctuaire. Oh. Parfait. Nickel. Sanctuaire de Kuguchide. Ouais, l'antépénultième sanctuaire. Il en restera plus que deux. Du coup. Et bien sûr, c'était une bénédiction. Sinon, j'aurais un peu capoté après toute cette épreuve. 300 rubis, ça rembourse un petit peu mes photos. N'est-ce pas? Faudra pas que j'oublie durant le DLC de prendre les boss en photo. Oh yeah. Nous y sommes. Ça mérite une miniature, ça, non? C'est super beau comme ça. Ça va être la miniature, sûrement. Oh! Oh là! Comment est-ce? Eh bien, comment t'as fait pour arriver là? J'ai escaladé la colline. Oh, ça n'a pas dû être facile. Tu dois bien aimer l'altitude, alors. J'aime bien l'altitude, moi aussi. On entend bien le vent. Je vais vivre ma vie comme je l'entends, libre et insouciant. Alors je viens ici et j'écoute sa chanson. Tu aimerais bien ne faire qu'un avec le vent un jour? Ce serait merveilleux. Je crois qu'on est fait pour s'entendre, toi et moi. C'est la première fois que je me fais un ami lien. On a dit trois phrases, on est déjà amis, là. Tiens, elle est drôle ton aile, j'en avais encore jamais vu comme ça. Tu aimerais suivre mon entraînement pour ne faire qu'un avec le vent? Ouais. Je suis bien content que tu acceptes. Ah, ok, ça passe pas. C'est pas si mal, c'est remboursé à la fin. Désolé de t'avoir fait attendre. J'emprunterai ce chemin-là, il faut savoir y aller doucement parfois. Le vent est toujours ton allié. Let's go. Cette petite... Oh. Oh. Oh, ok, c'est bon. J'ai eu un petit début... Un mauvais début, on va dire. Il faut pas que je touche le sol, c'est ça. J'ai eu chaud, j'ai eu très chaud. Non! J'ai encore plus eu chaud, je suis juste tombé.
J'en ai eu 15. Yep. Ça va me coûter cher tout ça. Et on y retourne, cette fois-ci sans rater. Je trouve plus stylé comme ça, sans toute la tuning puis tout ça. On y va. Let's go. Bon, tant pis. Faut que l'endurance. Bah, faut que je te demande le truc pour l'endurance. Wow, wow. Ils sont même pas réveillés. Qu'il attend d'aller récupérer. 33, c'est pas si mal. Pas si mal. Je sais pas combien qu'il y en a. C'est fabuleux. Oh my god. 100 rubis à chaque fois. C'est rentable. Bon, merci. Ok. Parfait. Plutôt pas mal. Du coup, voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Comme je l'ai dit, dans le prochain épisode, on va commencer le DLC Holo Prodige. Et entre les épisodes, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais commencer à avancer dans les petites quêtes et commencer peut-être à récupérer les Korogu. Du coup, voilà. Ok. Ah, il est là. Ah, sans épée, ça va mal aller. Allez, ciao. Ciao. Nickel. Du coup, voilà. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouvera très bientôt pour la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Allez, ciao, ciao. Et donc, je voulais vous montrer tout simplement la fin des épreuves extrêmes. Ça m'aurait pris deux fois, en fait, pour pouvoir le faire en boucle. D'ailleurs, j'ai pas terminé. Il manque peut-être un petit... Il me manque lui. Donc il me manque simplement lui. Et voilà, c'est terminé. Je pense. Voilà. Parfait. Et du coup les 23 épreuves sont terminées. Du coup j'ai recommencé simplement deux fois. La première fois je suis mort à l'épreuve... Là on est à l'épreuve 23, c'est la fin. J'étais mort à l'épreuve 18 je pense. J'étais mort contre un Linel, le premier Linel qu'on croise, j'avais pas assez de fées et je suis simplement mort en fait. Alors que, parce qu'en fait j'avais des flèches archéoniques qui one-shot les Linel, mais je voulais récupérer le stuff sans fées. Du coup c'était quand même assez chaud. Du coup on y est. On est prêt pour avoir l'augmentation ultime de l'épée des légendes qui sera à 100. Pas à 100, à 60. 60 mais en permanence. Parce que ce sera quand même pas mal pour la suite de l'aventure. Ok oui. Nous y sommes, nous y sommes, nous y sommes. Regardez-moi, c'est en haut à droite. Je sais pas où est-ce qu'on est en fait. Hein. J'avoue que je sais pas trop. Il y a un... Je sais pas ce que c'est. Qui monte jusqu'en haut comme pour le tenir, c'est très louche et au fond on ne veut pas tomber. Et nous y sommes. Waouh, regardez-moi ça. Oh là.
Épée de légende 60. Et voilà, c'est génial. Je m'étais muté comme ça, moi. Je pouvais entendre enfin le jeu. Parce que j'ai pas d'écouteurs. Du coup, je dois jouer. En tout cas, bref, c'est pas grave. Longue histoire. Tu viens de prouver que tu es bien le maître légitime de cette épée. Sa lumière sacrée te sied parfaitement. Je veux dire, te point, mais c'est l'inverse. Je ne manquerai pas de t'observer dans la suite de tes aventures. La prêtresse royale. Comme elle doit se réjouir de ta nouvelle puissance. Zelda. TKT mec, on va aller la sauver bientôt. Les épreuves de l'épée, terminées. En tout cas, nous on se retrouve, c'est vraiment juste l'interlude entre les deux épisodes. On se retrouve juste après.